Bonsoir, bonsoir à tous. Des racines et des ailes ce soir au cœur du Paris historique. Nous sommes en effet sur l'île de la Cité. Vous allez découvrir sur ces images d'un côté Notre-Dame, de l'autre la Sainte-Chapelle, le palais de justice, la conciergerie, la tour de l'horloge. Bref, tout un ensemble qui constitue le palais de la Cité, l'ancien palais des rois capétiens. On l'a oublié, mais ce palais a été la première résidence des rois de France avant le Louvre et bien avant Versailles. Ce soir, nous avons donc installé notre plateau dans la partie que l'on appelle la conciergerie. C'est l'un des bijoux de ce palais, un palais qui a été témoin de nombreux épisodes de l'histoire de France, des événements que nous allons découvrir ensemble. Tout de suite, en image, le sommaire de ce numéro des Racines et des Ailes consacré ce soir à l'île de la Cité et à ce fleuve qui l'entoure, la Seine bien sûr. Merci d'être au rendez-vous. Ce soir, je vous emmène en plein cœur de Paris sur l'île de la Cité. C'est ici que Saint-Louis fit construire la Sainte-Chapelle pour y recueillir la couronne du Christ. C'est ici également que fut édifiée la première résidence royale sous les Capétiens. Au fil des siècles, ce palais est devenu palais de justice au lieu de la Révolution. Marie-Antoinette et Danton y ont été jugés, puis plus tard, Émile Zola et le maréchal Pétain. Je vous emmènerai également au cœur du monument le plus visité de France, Notre-Dame de Paris. Ceux qui y travaillent nous guideront dans les coulisses de ce vaisseau de pierre construit il y a plus de 8 siècles. Nous découvrirons la mystérieuse forêt, interdite au public. Nous pénétrerons dans les grandes orgues de la cathédrale. Enfin, pour des racines et des ailes, les chevaliers du Saint-Sépulcre nous présenteront le trésor rapporté par Saint-Louis. C'est exceptionnel, il ne sort qu'une fois par an, le Vendredi Saint. Enfin, nous ferons la connaissance des policiers de la brigade fluviale de Paris. Ce sont les anges gardiens de la Seine. Chaque année, ils sauvent une centaine de personnes. Nathalie a 34 ans, c'est l'une des deux femmes de la brigade. Ancienne athlète de haut niveau, elle nous fait partager sa passion pour ce fleuve, ses ponts, ses quais, classés au patrimoine mondial. Voilà pour le sommaire de ce 82e numéro des Racines et des Ailes, un numéro que je dédie tout particulièrement à Christian Guébélil, qui fut administrateur de la conciergerie où nous avons installé notre plateau ce soir. Christian Guébélil, qui nous a beaucoup aidé et soutenu dans ce projet d'émission et qui malheureusement vient de nous quitter. Je voulais avoir cette pensée pour lui en ce début d'émission. Voilà, nous avons installé notre plateau, donc je vous l'ai dit, à la conciergerie qui est constituée en fait de plusieurs salles. Celle où nous nous trouvons est la salle dite des gendarmes. En deux mots, gendarmes. C'est une pièce impressionnante que vous allez découvrir avec sa forêt de piliers. C'est la plus grande salle médiévale d'Europe. Elle date du XIVe siècle. À l'époque de la monarchie, cette salle servait au personnel du roi. Elle pouvait accueillir environ 2000 personnes. Alors au Moyen-Âge, sur cette île de la Cité cohabitent deux pouvoirs. Le pouvoir royal, symbolisé par le palais où nous sommes ce soir et que nous allons découvrir au cours de l'émission. Et puis le pouvoir religieux, symbolisé par la cathédrale Notre-Dame de Paris, située à quelques encablures. Construite au XIIe siècle, Notre-Dame est devenue la cathédrale des grands événements sacrés ou profanes. Aujourd'hui, avec ses 12 millions de visiteurs, c'est le monument le plus visité de France, mais bien peu ont accès aux coulisses. Alors ce soir, je vous propose de découvrir de manière tout à fait privilégiée ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique empreint de mystère. Voici Notre-Dame, cet inconnu. C'est un reportage ciné Richard Puech. Notre-Dame, une fin d'après-midi, un peu avant les vêpres. C'est l'heure où des milliers de visiteurs remplissent la cathédrale, attirés par cette église qui est aussi monument historique, symbole national et décor de roman. Oui, Laurent, c'est pour le périocre que je puisse faire l'annonce à l'intérieur et à l'extérieur de Notre-Dame. C'est aussi l'heure où dans la coulisse, le clergé s'affaire pour que l'accueil soit à la hauteur du lieu. Laurent est le régisseur de Notre-Dame. Le son et la lumière, c'est lui. Laurent est un technicien laïque, mais il sait que la cathédrale n'est pas une salle de spectacle ordinaire. Ici, vidéo et électronique sont au service d'un message vieux de 2000 ans. C'est pas la peine d'envoyer trop fort non plus. Non, le micro n'est pas allumé. Je vais le mettre en route. Alors pour l'allumer, vous le tirez vers vous. Le père Jean-Yves Riaupreux, recteur archiprêtre de Notre-Dame, est le premier curé de France. Ami qui est avec nous ici à Notre-Dame de Paris, bienvenue.
en ce haut lieu spirituel où depuis 8 siècles, pèlerins et visiteurs venant de Paris, de France et du monde entier découvrent Notre-Dame au cœur de l'île de la Cité, au cœur de Paris. Pendant ce temps, dans les sous-sols de la sacristie, la chorale des enfants, la maîtrise, se prépare pour les vêpres. La maîtrise de la cathédrale est une des plus anciennes de France, car à Notre-Dame, et depuis le Moyen-Âge, pas de liturgie sans chanteur. Avec 4 messes par jour, sans compter les offices et les concerts, la musique ne s'arrête jamais. On n'en a pas l'air, mais c'est vrai que derrière, tout ça s'active. Il y a une 50aine donc, d'employés qui s'activent en permanence, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, pour que précisément les gens qui viennent là soient accueillis au mieux et que tout se passe bien, tranquillement, qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'il y a tout un énorme travail de masse derrière. L'unité de la cathédrale est accessible au public. Seuls ceux qui travaillent ici ont le privilège d'en visiter les coulisses. De ces recoins cachés, le préféré de Laurent est l'envers de la grande rosace à l'heure du soleil couchant. Voilà la belle heure. C'est la fin de l'après-midi, c'est le moment où la rosace s'embrase et où elle dévoile vraiment toutes ses couleurs, en particulier tous les rouges. Et qui du bas de la nef sont vraiment somptueux, quoi. C'est plus tard, finalement, on en est amoureux. Enfin, il faut vraiment en être amoureux pour travailler ici. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que à chaque fois que l'on va dans des parties où on ne va pas souvent, on découvre des choses nouvelles. Et la cathédrale fourmille de petits détails comme ça, des sortes de petites gargouilles que l'on trouve un détour sur une pierre, sur une corniche. Alors ici, un petit détail amusant, donc voilà, un jour en passant par là, j'ai trouvé cette sorte de tête de lion, enfin, on dirait bien lion, avec une crinière tout à fait autour. Je pense à tous ceux qui ont travaillé là, qui ont travaillé non seulement donc, au XIIe siècle pour l'édification de la cathédrale, mais ensuite après au fil des siècles. Et c'est à cet homme ou à cette personne qui a gravé ça et a toute son histoire, comme les milliers d'autres ouvriers. Notre-Dame, plus on monte vers le sommet, plus on remonte le temps. Le père Riocreux n'est nommé que depuis quelques semaines à la tête de la cathédrale. Il n'a pas encore eu l'occasion d'en découvrir tous les trésors, ni d'en gravir toutes les marches. 380 marches. C'est la première fois qu'il m'est donné de monter dans les tours de Notre-Dame, sur les hauteurs de Notre-Dame, et pour visiter la forêt. Ah, nous voici déjà, première étape. Le père Riocreux et son équipe de prêtres vont sous les toits visiter la charpente du XIIIe siècle, interdite au public. Le clergé est guidé par l'État, propriétaire de l'édifice, et représenté par l'architecte des bâtiments de France, Gilbert Gallieni. Alors d'abord, je veux dire que je suis très heureux au nom de l'État de pouvoir vous piloter. Je suis tout à fait conscient que le clergé est chez lui, dans toutes les parties de l'édifice, je tiens à le rappeler, on en est tout à fait conscient, même s'il n'exploite pas directement certaines parties, et je vais essayer donc de vous donner les aspects essentiels de compréhension de l'édifice, de manière à ce que vous ayez quand même la meilleure lecture de ce que vous allez voir. Cette sorte d'état des lieux entre l'État propriétaire et son nouveau locataire prend des allures d'une expédition sportive et vertigineuse, empruntant corniches et coursives d'un autre âge. Allez. Nous y sommes. Enfin, sous les toits, voici la forêt. Cette charpente de 1200 chênes date de Philippe Auguste. Elle nous est parvenue pour l'essentiel dans son état d'origine.
rares ceux qui sont autorisés à venir admirer ce chef-d'œuvre des bâtisseurs de cathédrales. Plongée dans la pénombre, la forêt est peut-être la partie la plus mystérieuse, en tout cas la plus protégée de Notre-Dame. La cohabitation existe à Notre-Dame depuis la séparation de l'Église et de l'État. L'État est propriétaire et c'est le Centre des Monuments Nationaux qui gère le circuit de visite des tours. Pour le reste, l'Église jouit pleinement et gratuitement des lieux. Une entente cordiale bien rodée. C'est l'État et l'Église affectataire. L'État et l'Église affectataire, chacun dans ses prérogatives, ses droits et ses devoirs. Exactement. Et comme je l'ai entendu plusieurs fois, personne Notre-Dame n'appartient à personne, nommément, elle appartient à l'histoire. Le patrimoine mondial. Patrimoine mondial, voilà, en plus. Voilà, c'est bon de préciser. Ce patrimoine est de loin le monument le plus visité de France. 12 millions de touristes chaque année. Jusqu'à 50 000 par jour, deux fois plus que la Tour Eiffel. Une notoriété forgée d'abord dans l'histoire. Notre-Dame est édifiée au XIIe siècle de par la volonté de Maurice de Sully, évêque de Paris. Le chantier démarre en 1163. Maurice de Sully n'en verra pas la fin, car il faut près d'un siècle pour achever l'édifice. Proche du centre du pouvoir, Notre-Dame devient la cathédrale des rois, celle des états généraux. Des baptêmes des princes, des célébrations des victoires, des funérailles des grands, du sacre de l'empereur. Pendant 8 siècles, toute l'histoire de France défile sous ses voûtes. Et quand Victor Hugo y installe Esmeralda et Quasimodo, Notre-Dame de Paris entre dans la légende des siècles et entame une carrière internationale. Désormais, le monde entier afflue vers ce parvis où se situe depuis le Moyen-Âge le point zéro de toutes les routes de France. Maurice de Sully rebâtit complètement non seulement la cathédrale, mais également tout l'environnement. Et au-devant de la façade, il a établi un parvis, le plus grand parvis qui existait à cette époque-là au Moyen-Âge devant une cathédrale, de 40 mètres. Et tout Paris se réunissait ici. Il faut donc imaginer, non pas comme aujourd'hui, une vie un peu tranquille, animée par les touristes, mais la vie trépidante. Les rendez-vous se donnaient ici, les grandes fêtes se faisaient ici, ce sont les badauds, ce sont les jeux, ce sont les spectacles que l'on donnait, ce sont les mendiants, ce sont évidemment un peu les voleurs. C'est une vie foisonnante d'une richesse que l'on ne peut, encore une fois, plus du tout imaginer actuellement. Les touristes ont remplacé la cour des miracles, mais Notre-Dame est toujours une ruche dont le centre nerveux est le presbytère. De son bureau, le père Riocreux dirige une véritable PME. Le ministre du spirituel devient ici l'administrateur du temporel. Le recteur archiprêtre est aussi chef d'entreprise. Secrétariat Notre-Dame, bonjour. De la part de qui, s'il vous plaît? Un instant, ne quittez pas, je vais voir s'il est disponible. Est-ce que vous êtes disponible pour M. Guy Guinot, l'ambassadeur? C'est presque un agenda de ministre, c'est un agenda de ministre de l'Église. Un ministre de l'Église, et il faut le gérer, mais il a toujours une petite place. Pour tout le monde, bien soit loué pour tout ce que tu nous donnes. Pas de Premier ministre sans Conseil des ministres. Celui du père Riocreux est constitué par son équipe de prêtres, les chapelains. Un rituel hebdomadaire, le déjeuner des chapelains. À ce moment-là, le cardinal étant arrivé enfin, avec un quart d'heure retard, il était coincé dans un bouteillage, les rollers, et il n'a même pas pu arriver avec sa voiture. Ah ben, il devait être embarrassé pour traverser la place en Soudan. Oui, Comme les apôtres il y a 2000 ans, les chapelains partagent le pain et le vin. Et comme les apôtres, il se trouve que les prêtres de Notre-Dame sont une douzaine. On est vraiment 12, hein. Et on est vraiment 12, hein, vous regardez. C'est l'étymologie, vous savez, même du mot copain, c'est celui qui vit la communauté. Ah, voilà. Alors là, on est copains. Nous sommes une bande de copains. Une bande de copains. Salut les copains. Autre pain quotidien des chapelains, boucler un budget de 6 millions d'euros sans aucune aide ni subvention.
Les ressources de Notre-Dame dépendent entièrement des 12 millions de visiteurs annuels et de leur porte-monnaie. L'église gère une boutique de souvenirs qui assure une bonne moitié de ses revenus, près de 3 millions d'euros. Un autre quart des revenus provient des offrandes pour les cierges. En fait, de petites bougies dont la fumée ne noircit pas la voûte. Près d'1,5 million sont allumées chaque année. Pour le reste, il y a un petit musée, la recette des concerts et enfin le produit des quêtes. Dans la sacristie, ces dames bénévoles qui déversent l'argent des quêtes dans ces tuyaux ne savent pas où tombent ces offrandes. 5 centimes. J'ai tout fermé ma boîte. Tout le produit des quêtes, des troncs et des cierges aboutit quelque part dans les sous-sols, dans une pièce secrète, toujours fermée à clé. Et là, deux fois par semaine, l'argent est récupéré, trié et compté par deux moines. Ils appartiennent à la Fraternité de Jérusalem, un ordre monastique parisien. Depuis 15 ans, ces moines ont la confiance de Notre-Dame. Leur intégrité n'a d'égal que leur discrétion. Donc peut-être que les premiers jours, on est impressionné parce qu'on n'a jamais vu ces sommes réunies dans le même lieu. Mais cet argent-là, c'est aussi une manière d'exprimer pour certaines personnes leur foi. Voilà, ils vont mettre 10 francs, ils vont mettre un cierge et puis c'est leur manière à elles de prier. Donc je pense qu'au début, on est souvent impressionné, puis après, on se rend compte qu'il y a aussi un certain respect à avoir par rapport à ça. Allez, en route pour la grande ascension. Hein. 84 marches. Olivier Latrie est un intermittent de luxe. Depuis 16 ans, il est l'un des trois organistes qui ont le privilège de jouer sur les grandes orgues de Notre-Dame. Voilà, bienvenue dans mon antre. Et voilà, quelques-uns des 8000 tuyaux de l'orgue de Notre-Dame. Cet orgue fait partie intégrante de la cathédrale depuis le 15e siècle. Entièrement refait au 18e, il est aujourd'hui le plus grand de France. La messe du soir commence. C'est au tour des deux orgues de donner de la voix. L'un est en bas, dans le chœur, tandis qu'Olivier Latrie joue sur les grandes orgues, 20 mètres plus haut sur la tribune. Les deux organistes ne se voient pas et doivent se synchroniser entre eux et avec la messe, presque en aveugle. Avec 5 claviers et 112 jeux, le tout assisté par ordinateur, les grandes orgues permettent d'improviser à l'infini. C'est pas une Formule 1, mais non, c'est vraiment une Rolls. C'est confortable, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Excusez-moi. Le service, n'est-ce pas ? Allô ? Alors, faut que je joue ou je sais pas ? Hein, mais je t'entends plus, là. C'est nécessaire qu'on se retéléphone avant le début de l'esquive, ou c'est pas la peine? Heureusement qu'on a ce genre de moyens modernes pour faire fonctionner le service. Parce que ça permet de communiquer avec l'organisme de cœur et donc de savoir exactement ce qui se passe à la minute près. Finalement, ce sont les coulisses de la cathédrale. En dehors des messes, les grandes orgues de Notre-Dame attirent à elles seules la moitié de l'audience des concerts d'orgue en France. Monsieur Dan, vous voulez bien regagner la sortie, on va fermer la cathédrale. 18h45, l'heure de la fermeture. C'est tout bon, il n'y a plus personne. Pour quelques heures, Notre-Dame retrouve son silence de cathédrale. La cathédrale est une vieille dame de 839 ans. Son entretien et sa restauration coûtent plus d'1 million d'euros par an. C'est l'État qui assume ce fardeau et c'est Bernard Fonkerny qui le porte depuis 23 ans. 23 ans de corps à corps entre cet architecte en chef et ce vénérable bâtiment.
Allez, on va sortir par là. Nul mieux que Bernard Fonkerny ne connaît les dédales et surtout l'état réel de la cathédrale. Il en a ausculté chaque pierre et conduit une ambitieuse campagne de restauration. 10 ans d'échafaudage, de soins méticuleux et de techniques d'avant-garde pour une restauration qui n'est toujours pas achevée. Mais ici, les travaux n'ont jamais vraiment cessé. Chaque siècle a laissé sa marque. C'est ce que l'architecte montre aujourd'hui à l'un de ses étudiants. Première étape, en haut de la tour sud, là où loge le bourdon. Ah la vache ! J'y arrive pas. Le bourdon a un prénom, Emmanuel. Bon, il faut que tu me donnes un coup de main. Emmanuel est une grosse cloche de 315 ans qui pèse 13 tonnes. Son battant à lui seul fait 500 kilos. Non. Quand ça sonne à la volée, 13 tonnes, hein, tout ça craque, bouge, fait du bruit, hein, c'est extravagant. Hein. Bon, là, la vue est pas mal. Hein. Au niveau des gargouilles, hein, le diagnostic est flagrant. Hein, regarde, hein, au niveau de la gargouille, l'eau qui traverse le... et qui s'évacue dans la gargouille, tout mouille. Et la pierre est complètement usée à cet endroit-là. La cathédrale est victime à la fois de l'érosion due à la pluie et de la pollution qui noircit. Non, non. Bon, finalement, nous sommes dans une société qui nous demande de pérenniser la vie d'un monument qui ne pouvait vivre avec son matériau que 100 ans ou 150 ans. Eh bien, on nous demande de prolonger sa vie de 100 ans de plus ou plusieurs siècles en plus. Et en réalité, là, ça montre vraiment le problème du changement de pierre sur un édifice. Car si on change la pierre, ce n'est plus la pierre authentique. Alors on en change une, puis on en change deux, puis on en change trois. Et finalement, à force de changer des pierres sur un monument, que devient l'authenticité du monument ? Dernière étape au sommet, la montée dans la flèche du clocher. Bernard Fonkerny sait qu'il va y retrouver son illustre prédécesseur du 19e siècle, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Il faut d'abord saluer le confrère. Je vais dire salut. Notre ami Viollet-le-Duc tourne le dos à la ville et préfère voir son œuvre. Très modeste, un peu mégalo. Sa règle à dessin, il souligne architecte édifique à vite. C'est moi qui ai fait. Donc on est toujours dans la modestie. Quand en 1843, Viollet-le-Duc obtient carte blanche pour rénover Notre-Dame, il est un sauveur. La cathédrale est dans un état pitoyable, épuisée par les siècles et dégradée par la Révolution. Pendant plus de 20 ans, Viollet-le-Duc répare, restaure et refait du chœur jusqu'au clocher. Mais aussi, il ajoute, modifie et même réinvente les chimères et les gargouilles. Partout, Viollet-le-Duc imprime sa propre griffe. Tenez, je parle de notre ami Viollet-le-Duc parce qu'on en oui. parle beaucoup. Et vous savez qu'au cours de ses travaux, il a dit, mais cette cathédrale n'est pas finie, il faut des flèches. Alors il a tâté le terrain et il a senti que ce n'était pas si évident que ça. Il a tout de même demandé à son meilleur dessinateur d'agence, Claude Sauvageau, de faire le projet, de très bien le soigner pour le montrer à l'empereur. Et regardez le projet. Voici la cathédrale actuelle, avec la flèche, et voilà ce qu'il proposait. Ahurissant, hein. Donc autrement dit, on double pratiquement la hauteur de la cathédrale, rien que ça. Et alors, mais le plus étonnant, c'est ce que Viollet-le-Duc a fait et dissimulé. Alors, chose extraordinaire, vous savez que la galerie des rois, ce sont ces rois, vous savez qu'à la Révolution, on les a fichus par terre. Bien entendu, Viollet-le-Duc a refait faire ses statues. Quand j'ai fait la restauration et le nettoyage, je nettoie ces sculptures, et sur trois des sculptures, entre les pieds, il y avait du plâtre. Alors, bien entendu, je fais retirer le plâtre. Et qu'est-ce que je découvre sur le plâtre ? Des inscriptions, le visage
de ces statues est le portrait de Viollet-le-Duc, architecte de Notre-Dame en 1854, sculpté par Chenillon. C'est pas une statue d'un mètre de haut, hein, vous voyez. Bon, le culot de ce statufier, ensuite je pense qu'ils l'ont caché tout de même, ils se sont dit que ça va pas bien. On a mis du plâtre et le plâtre est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est assez étonnant, hein. Vous le saviez pas, ça. Ah non, mais je découvre, vous savez. Oh. Les 28 statues de la Galerie des Rois, détruites à la Révolution, semblaient perdues pour toujours. Et pourtant, de l'autre côté de la Seine, au musée du Moyen-Âge, on peut admirer leurs fragments et surtout leurs têtes. La découverte de ces morceaux de roi a été pour ce conservateur de musée la plus grande émotion de sa carrière. Tout a commencé en 1977 par des travaux dans une banque parisienne Chaussée-d'Antin, la BFCE. On descend dans les sous-sols de la BFCE et en ouvrant la porte, je vois sur des socles 300 morceaux de sculpture. 300 morceaux de sculpture. Et je lui dis, monsieur le directeur, tout ça c'est Notre-Dame. Et tout à quelques minutes après, il m'a dit, vous étiez pâle comme un linge. Je lui dis, vous savez, voir 300 morceaux de sculpture dont on espérait la redécouverte est une chose qui n'arrive pas souvent dans la vie. La plus troublante de ces statues, cette tête d'ange. C'est la première tête qui a été découverte. Il y a encore la trace ici du coup de pioche de l'ouvrier portugais qui, faisant un trou dans la cour de cet hôtel de la Chaussée-d'Antin, brutalement, à sa stupéfaction, a découvert cette tête d'ange, d'ange au sourire. C'est le premier sourire de la sculpture médiévale. Un léger sourire à Paris, tout léger. Toute l'Europe va sourire grâce à ce premier sourire. Depuis 7 siècles, les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem ont la garde d'un des plus précieux trésors de la chrétienté, la couronne d'épines du Christ. Rapportée par Saint-Louis au retour d'une croisade, cette couronne d'épines est conservée dans un endroit de la cathédrale tenu secret. Seul le père Riocreux et l'un des chapelains connaissent le code du coffre-fort. La relique ne sort de sa cachette qu'une fois par an le Vendredi Saint. Mais pour nous, et pour la première fois depuis qu'il est arrivé, le père Riocreux nous la présente ainsi qu'un morceau de la vraie croix. La couronne est protégée et conservée dans un reliquaire d'or et de verre. Voici cette couronne d'épines qui exprime toute la souffrance que Jésus a endurée pour le salut du monde. Depuis le IVe siècle, les historiens suivent la trace de cette couronne de Jérusalem à Constantinople en passant par Rome et jusqu'à Paris où Saint-Louis fait construire pour elle la Sainte Chapelle et en confie la garde aux chevaliers du Saint-Sépulcre. C'est Napoléon qui, d'autorité, installe la couronne à Notre-Dame, où aujourd'hui encore les chevaliers veillent sur elle. Cette couronne de joncs tressés, dépouillée de ses épines au fil des siècles, est la seule revendiquée comme étant la vraie couronne de Jésus. On n'a pas essayé de la dater au carbone 14. Je ne pense que d'ailleurs ça donnerait rien s'agissant d'un élément trop petit et dans lequel il faudrait sortir des éléments trop importants. On peut simplement dire que c'est une herbe de la région qui servait effectivement de supplice lorsqu'on voulait amener des gens au gibet. Voilà, retour sur le plateau des Racines et des Ailes, installé au cœur du Paris historique, sur l'île de la Cité, plus précisément à la Conciergerie. Avec nous sur ce plateau, Catherine Arminjon et Bernard Fonkerny, que vous reconnaissez, il était dans le reportage. Catherine Arminjon, bonsoir. C'est un véritable privilège qu'on nous a fait, hein, de sortir comme ça cette couronne d'épines. C'est formidable de voir ça, c'est absolument extraordinaire. Surtout que cette couronne d'épines, comme vous le savez, Saint-Louis s'en est rendu acquéreur auprès de l'empereur de Byzance, Baudouin II, et avec un grand fragment de la croix d'ailleurs. Et c'est à Notre-Dame de Paris
qu'après un long voyage, le roi et son frère sont venus présenter et honorer cette relique insigne qui se trouve donc, par le biais de l'histoire, aujourd'hui retournée à Notre-Dame, puisque sa destinée était dans l'esprit de Saint-Louis, la Sainte-Chapelle, pour laquelle qu'il a fait construire exprès pour accueillir cette relique, ces reliques extraordinaires. Et régulièrement, Saint-Louis va prendre des fragments de cette couronne et va les distribuer comme autant de reliques. Oui, le problème de fragmentation est toujours un petit peu compliqué. Il est certain que si on analyse quelques textes, ne serait-ce que la relique de la croix était vraisemblablement plus d'un mètre. Aujourd'hui, le fragment est beaucoup plus petit. On sait qu'il y a eu aussi des distributions des reliques de la Passion dans d'autres cathédrales, dans d'autres trésors. Alors, expliquez-nous pourquoi cette cathédrale, Notre-Dame de Paris, qui a joué un rôle important dans l'histoire de France, n'est pas la cathédrale que choisissent les rois pour être sacrée. Oui, ce n'est pas un problème de choix, c'est que depuis le baptême de Clovis, c'est à Reims, et donc de facto, dans la suite de ce baptême très significatif pour la religion catholique en France, c'est évidemment à la cathédrale de Reims que les rois, plus de 32 rois, ont été sacrés au cours des siècles. Une exception ? Un empereur, le premier d'entre eux, Napoléon en 1804, comme vous le savez. Mm-hmm. Mais il a voulu justement se démarquer très nettement de la royauté française qui, elle, était sacrée à Reims et se faire sacrer dans la cathédrale métropole, la cathédrale de Paris, pour bien marquer la différence. On a une illustration de ce sacre, la voici. La cathédrale était comme ça ? Non, elle était en très très mauvais état, elle avait subi la révolution, démolition des structures, des visages, la galerie des rois et bien d'autres, pas de flèches non plus. Elle est restée dans un piteux état, il faut bien le dire, pendant plusieurs décennies au XIXe siècle. Et on demanda aux architectes décorateurs Percier et Fontaine, entre autres, et le peintre Isabey, de faire un décor et de plaquer sur la façade, sur l'architecture intérieure, sur les colonnades, un décor pour accueillir cette cérémonie. Un décor théâtre Tout à fait, et on retrouvera ces grands décors pour le baptême du duc de Bordeaux, pour le mariage de Napoléon III, un certain nombre d'autres cérémonies officielles. Vous disiez que Notre-Dame de Paris avait beaucoup souffert pendant la Révolution. A beaucoup souffert pendant la Révolution. Qu'est-elle devenue pendant cette période-là ? Elle a été, comme d'autres cathédrales, elle est devenue aussi le temple de la raison. Il y a eu des cérémonies révolutionnaires qui se sont passées, et avec le concordat en 1801, rétablissement du culte, et donc elle a retrouvé sa mission initiale. Alors il y a un personnage qui va tout faire pour qu'on s'intéresse à cette cathédrale, c'est Victor Hugo. Et ce roman, Notre-Dame de Paris, effectivement, a marqué... C'est un véritable cri, pour qu'on s'intéresse à cette cathédrale. C'est un grand cri, un grand roman, et aussi qui a eu effectivement une influence tout à fait importante, puisque Mérimée et tous les autres ont créé une commission pour la protection des monuments et de Notre-Dame de Paris. Et on voit d'ailleurs Victor Hugo faire partie de cette commission. Et c'est un mouvement que l'on voit après, les Viollet-le-Duc, les restaurations. Et c'est un concours, et à l'époque il y a un concours, et c'est Viollet-le-Duc qui le remporte, et Bernard. L'astuce, oui. Oui, absolument, c'est ce concours 1843, pendant un an, et l'astuce et Viollet-le-Duc sont les lauréats de ce concours. Viollet-le-Duc, c'est, vous disiez tout à l'heure dans le reportage, un grand mégalo, avec le sourire, mais c'est aussi celui qui sauve la cathédrale. Alors, bien sûr, enfin, c'est un homme absolument fascinant, un homme complexe, un homme complexe et complet, un homme à une ardeur au travail tout à fait incroyable. Il a publié des livres, il voyageait constamment, il dessinait, il avait tout le temps, il trouvait toujours le temps, c'est considérable son œuvre. Aujourd'hui, Notre-Dame est toute blanche, elle a toujours été blanche comme ça ? Ah non, absolument pas. Vous savez qu'elle était polychromée, il y a quelque chose d'assez étonnant, l'évêque d'Arménie, Azadjan, la grande Arménie, a fait un voyage à la fin du 15e et on a sa relation. Et il dit, je suis allé à Notre-Dame et j'étais sidéré de voir les dorures sur tous ces portails et la forte polychromie. Ensuite, on a eu d'autres auteurs, Gibert ou même Viollet-le-Duc, parlent de la polychromie. Viollet-le-Duc dit, la galerie des rois, c'est une grande lite toute dorée et forte en couleurs. Merci.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, au Moyen-Âge cohabitaient sur l'île de la Cité le pouvoir religieux et le pouvoir royal symbolisé par le palais de la Cité, première résidence royale bien avant le Louvre. Ce palais a évolué au cours de son histoire, une histoire longue et mouvementée. Ce fut un haut lieu de la Révolution. C'est ici en effet qu'ont été emprisonnés et jugés Marie-Antoinette, Robespierre, des centaines de personnes, aristocrates, connus ou anonymes, avant d'aller se faire guillotiner. C'est ici aussi que se sont déroulés des procès historiques, comme celui du maréchal Pétain. Alors ce soir, je vous propose un voyage à travers 6 siècles d'histoire, du palais royal capétien d'hier au palais de justice d'aujourd'hui. Voici un palais au cœur de la Cité. C'est un reportage signé Hélène Frandon et Jean-Christophe Hainaut. L'île de la Cité et son palais, la première résidence des rois de France. Sans doute le plus beau palais d'Europe au XIVe siècle, sous le règne des Capétiens. Il était alors le symbole de leur puissance politique, mais aussi religieuse, comme en témoigne la Sainte Chapelle au cœur de l'édifice. Aujourd'hui, l'ancien palais royal est devenu palais de justice, un palais particulièrement surveillé. Bonjour messieurs. Merci. À l'entrée, contrôle obligatoire pour le public comme pour les professionnels. Oui, volontiers. Voilà, les documents. C'est ainsi qu'Étienne Madrange commence ses journées de travail. C'est bon. Merci beaucoup. Vous ne montrez pas de blanche quand on rentre ici ? Oui, vous ne montrez pas de blanche. Ce sont les mesures de sécurité normales dans un palais de justice qui est forcément un lieu sensible. Donc tout le monde, les magistrats, les greffiers, les avocats, tout le monde doit s'y soumettre. C'est naturel, c'est normal. Étienne Madrange est procureur, chargé d'affaires politico-financières puis terroristes. Il s'occupe désormais de fraude fiscale. Vous vous souvenez quand vous avez gravi ces marches pour la première fois ? Ah oui, je m'en souviens, j'avais 25 ans et je venais prêter serment devant la cour d'appel. C'est un moment assez émouvant parce que c'est le début d'une longue carrière, 40 ans. Hein, 40 ans. En haut de ces marches, le palais, ou plutôt la fourmilière. Avocats, magistrats, touristes, justiciables, fonctionnaires. Au total, 15 000 visiteurs par jour. Une véritable petite ville avec ses restaurants, son bureau de poste et son cabinet médical. Une petite ville de 4 hectares aux couloirs interminables. C'est un gigantesque labyrinthe, près de 30 km, 25 à 30 km environ. Alors tout le monde s'y perd, même les professionnels parfois, surtout quand ils commencent leur carrière au palais, ils se perdent dans les couloirs, c'est normal. Au bout de ces couloirs, un espace beaucoup plus confiné appelé le sous-marin. Il est occupé par les bureaux. Changement total de style. Le bureau n'est pas très grand, mais les dossiers sont énormes. Alors c'est ça qui est terrifiant, c'est que je peux pas regarder. Tome 21. Alors encore un dossier de plus de 20 tomes. Un tome, c'est ça. C'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a un projet, je crois, création d'un nouveau tribunal. Ça pourra soulager le palais de justice. Non, mais c'est vraiment très, très compliqué pour des raisons de sécurité évidentes, parce que c'est beaucoup, beaucoup de papiers qui s'entassent partout, dans les sous-sols, dans les couloirs, dans les greniers. Mais il y en a partout. Il y a des tonnes de papiers, des sous-sols, aux greniers. Il est vrai que ce palais concentre un quart de l'activité judiciaire française. Beaucoup de travail et peu de temps à perdre. Ce jour-là, Étienne Madrange est attendu en cour d'appel. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Bon, c'est des affaires assez classiques, douanières, fiscales, des jeux illicites dans des débits de boissons, mais pour quelques heures. Une audience ordinaire donc, loin des procès tumultueux qui ont marqué l'histoire du palais. 1898. Émile Zola, ici à droite, sort du palais de justice. À l'issue d'un procès houleux, il a été condamné à 1 an de prison pour avoir pris la défense du capitaine Dreyfus. L'écrivain choisira l'exil pour échapper à sa peine. Fin d'audience pour Étienne Madrange, un procureur incollable sur l'histoire du palais et de ses plus grands procès. Nous allons pénétrer dans la première chambre civile de la cour d'appel. Une chambre qui a 1 siècle maintenant, puisqu'elle a été construite fin 19e, début 20e siècle, et puis une chambre qui a connu des affaires retentissantes, des grands procès. Le plus connu, sans doute, est le procès Pétain. Et voici que Pétain entre dans la salle de la première chambre. Trop petite salle pour un si grand procès. Pour ce procès où l'homme qui ose encore se dire chef de l'État va répondre des années pendant lesquelles la France a été occupée aussi par lui. Pétain a refusé de répondre aux questions parce que pour lui, cette haute cour de justice ne représentait pas le peuple français, donc il est resté relativement silencieux, il refusait de répondre aux questions.
malgré les demandes du premier président Montgibaud. Kaplanken, puisque l'accusé se réfugie dans le silence, on ne lui posera pas de questions et voilà tout. Et le 14 août 1945, tous ces jurés, donc les 24 jurés et les trois magistrats, se sont retirés dans la chambre des délibérés là-bas. Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort. Il sera finalement gracié par le général de Gaulle. Sa cellule, construite exprès pour lui au palais, a aujourd'hui disparu. Autre procès beaucoup moins connu. Dans cette bibliothèque, ancienne chambre du tribunal, en 1857, on juge Baudelaire pour son ouvrage « Les fleurs du mal ». On poursuit pour outrage à la morale publique, outrage à la morale religieuse, outrage aux bonnes mœurs. Le procès va durer un petit peu et puis Baudelaire va être condamné. 300 francs d'amende à l'époque et même les imprimeurs, 100 francs d'amende chacun les imprimeurs. Vous vous rendez compte, il sort, tout le monde l'attend et on lui dit « Alors, vous attendiez à être acquitté ?» Et il dit « Ben non, je n'attendais pas un acquittement, j'attendais qu'on me fasse réparation d'honneur. » Et il ne fera pas appel. D'ailleurs, Victor Hugo, qui n'aimait pas le régime du Second Empire, vous le savez, lui écrira une belle lettre dans laquelle il lui dira finalement « C'était la plus belle décoration que vous puissiez recevoir cette condamnation. » Et la même année, dans cette même salle, Gustave Flaubert, l'auteur controversé de Madame Bovary, est acquitté. Au petit matin, c'est Maximilien, le gardien, qui ouvre la conciergerie. Derrière cette porte discrète, de splendides salles du XIVe siècle. Ces salles étaient réservées aux domestiques, gardes et gendarmes du roi lorsqu'il habitait encore au palais. C'est la partie la plus ancienne de la conciergerie, l'ancien logis du concierge. C'était le gouverneur du palais, en somme, et qui avait aussi droit de haute et basse justice, qui louait les emplacements aussi pour les marchands à l'intérieur du palais. C'était un personnage très important. Il représentait le roi. Isabeau de Bavière a été concierge du palais, l'épouse de Charles VI. Jean Favard, ancien conseiller à la Cour de cassation, est devenu historien par amour de ce palais où tout semble gigantesque, jusque dans les cuisines. Les cheminées sont absolument fascinantes, étonnantes. Il y en a quatre. Et vous voyez, il y a quand même un espace là qui permet de faire quasiment trois grands pas avec une largeur. Même un bœuf énorme pourrait être rôti ici sans problème. Sauf que ça doit, vous voyez l'espace aussi, ça devait faire, il devait y avoir un feu d'enfer. Mais il y avait beaucoup de monde à servir, à la table royale, énormément. Donc parfois ça ne suffisait pas d'en faire un d'un côté, il fallait, mais là il y a quatre cheminées, donc on pouvait effectivement faire un festin absolument énorme. Maximilien le gardien poursuit sa ronde. Au-delà de cette grille, il nous fait pénétrer dans un univers bien plus sinistre, la prison de la conciergerie. Sous la Révolution, on la surnommait l'antichambre de l'échafaud. La cour des femmes, le seul lieu où les détenues pouvaient se retrouver entre elles. Elle a une atmosphère très particulière, cette cour. Hein. Ah, elle est impressionnante. Et surtout cet endroit. Pourquoi ? Parce que là, c'est là que des milliers de personnes ont souffert à travers les siècles. Pourquoi ? Pourquoi ici ? Parce que là, c'est là l'attente des condamnés à mort avant la guillotine. Et c'est à cet endroit où justement les hommes et les femmes faisaient leur adieu. Dans cette cour, les détenus ont aussi tricoté, bavardé, jouer aux échecs ou au ballon. Des femmes ont même lavé leur linge dans cette fontaine. À la sortie, la guillotine souvent les attendait. Entre 1793 et 94, près de 3000 personnes ont été décapitées à Paris. Retour dans les cachots avec Jean Favard. Voilà, ce sont les pailleux. Alors là, c'est la situation la plus commune et la plus abominable là, qui existait. Il y avait des rats qui venaient la nuit pour manger une partie de vos vêtements. Donc c'était les plus misérables, les plus à plaindre en quelque sorte. Beaucoup de détenus célèbres entre ces murs. Ravaillac, Cartouche, Robespierre et bien sûr Marie-Antoinette. Pour elle, une cellule sans confort ni intimité.
Marie-Antoinette a passé ici 2 mois avant d'affronter le tribunal révolutionnaire. Bon, maintenant je vais vous montrer un passage par lequel on ne passe pas souvent, mais qui était un escalier qui permettait d'accéder directement au tribunal révolutionnaire, qu'on appelle l'escalier dit de la Reine, parce qu'on prêtait à Marie-Antoinette le fait d'être passée par ici. Un escalier d'habitude fermé au public. Marie-Antoinette l'aurait donc emprunté pour comparaître devant ses juges en octobre 1793. Voilà, nous arrivons à la porte du tribunal. Et lorsqu'on l'a ouverte, on se retrouve directement dans la salle du tribunal où a siégé le tribunal révolutionnaire. C'est actuellement la première chambre civile du tribunal de Paris. On l'appelait la salle de la liberté. Hein, ça avait un sens aussi de s'installer à l'endroit où il y avait la justice royale précédemment. Et cette salle de la liberté, eh bien, a vu défiler pendant le maximum de la période révolutionnaire, entre mars 1793 et le 9 Thermidor, eh bien, les grands noms dont on a pu parler, bien sûr Marie-Antoinette, mais aussi les Girondins, Danton. Et les derniers temps, il y avait quand même une trentaine de personnes qui étaient guillotinées par jour. On n'avait plus assez de charrettes. Enfin, disons que la machine était devenue complètement folle. Et un pays ne peut pas se guillotiner tout entier. Les condamnés à mort sont sortis du palais par cette porte. Les hommes ont été guillotinés, la porte est restée. Derrière, aujourd'hui, ce n'est plus la prison, mais la buvette. Merci infiniment. Marie-Antoinette, comme d'ailleurs les condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire, ont franchi ces marches pour ensuite monter dans les charrettes. Il y avait beaucoup de public autour pour regarder ce spectacle et la charrette se mettait en branle pour se rendre place de la Concorde, place de la Liberté. En ces temps troublés, l'histoire du palais et l'histoire de France ne faisaient plus qu'une. La Sainte-Chapelle, du gospel de la Nouvelle-Orléans, chanté a cappella. L'acoustique de cette chapelle du XIIIe siècle est renommée dans le monde entier. En plein cœur de Paris, en plein cœur du palais, la Sainte-Chapelle construite par Saint-Louis. Le roi de France venait d'acheter à Constantinople un morceau de la couronne d'épines portée par le Christ. Pour abriter cette relique, il voulut un écrin de toute beauté. La Sainte-Chapelle fut donc bâtie en 6 ans à peine. Au rez-de-chaussée, la chapelle basse que nous découvrons avec Caroline Piel, conservateur en chef des monuments historiques à Paris. Si vous êtes dans la chapelle basse, donc au-dessus vous avez la chapelle haute qui était réservée au roi et à ses familiers. Et là, dans cette chapelle, c'était réservé donc aux domestiques, aux courtisans et puis aux serviteurs de la cour et aux soldats. Une chapelle très colorée et massive comme une crypte. Rien à voir donc avec la chapelle haute, c'est-à-dire la chapelle royale. Aussi beau ici, toujours émouvant quand on rentre dans cette cage de verre complètement lumineuse là, qui change à toutes les heures de la journée. C'est incroyable, ça fait toujours le même choc en fait quand on arrive. Comme une prière vers le ciel, la Sainte-Chapelle élève ses voûtes jusqu'à 20 mètres de hauteur. Sa verrière de plus de 600 mètres carrés semble se dresser seule, sans l'aide d'aucun mur. Une prouesse architecturale exceptionnelle pour l'époque. C'est un petit peu la spécificité de cette architecture, c'est que d'abord on a un gros soubassement avec la chapelle basse, ici aussi, et puis ensuite on a les contreforts extérieurs qui sont vraiment très puissants, et on a surtout des barres métalliques qui passent et qui structurent toute la totalité des baies.
Les reliques de la Passion étaient donc conservées ici, au sommet d'une immense châsse. Seul le roi en détenait les clés. Alors qui montait là-haut, c'était le roi, en fait, ses familiers ou ses hôtes de marque, qui venaient vénérer les reliques de très près, puisqu'elles étaient exposées ici, au milieu de cette espèce de dais. Et plus on était près, plus on pouvait les vénérer, et plus on pouvait en tirer, je dirais, les bénéfices. Au XIIIe siècle, les verriers sont au sommet de leur art. Pour Saint-Louis, ils ont choisi les verres les plus beaux et les couleurs les plus intenses. Ils ont même représenté leur roi, pieds nus, portant les reliques de la Passion. L'art du vitrail, c'est un art de la lumière, en fait, de la transparence. Et quelque part, c'est un peu une manifestation divine avec le chatoiement des couleurs. En plus, ils ont l'air impeccables, comme neufs, les vitraux. Oh non, ils ne sont pas si impeccables du tout. En fait, c'est des vitraux qui ont beaucoup trop souffert, qui ont été restaurés au 19e siècle et qui méritent maintenant une autre restauration. Justement, la restauration a commencé dans cet atelier de verrier au Mans. Il a fallu 3 semaines pour démonter une seule baie vitrée de la Sainte-Chapelle et pour la transporter ici, avec d'infinies précautions. Nous assistons aux premiers essais de nettoyage. Un travail extrêmement minutieux. Ce panneau, par exemple, nécessite une bonne journée de soins. Alors, ça vous fait quoi de voir apparaître ce roi-là ? Alors, le visage du roi, je découvre avec vous. Puisque je ne l'avais pas vu, j'étais tellement seule auparavant. Je trouve cette peinture très d'une finesse. C'est incroyable ce qu'on pouvait faire au XIIIe siècle. C'est ça qui me stupéfie toujours. C'est magique de le voir s'illuminer. Un moment important dans l'atelier, la première réunion de chantier. La fin des panneaux, c'est le 15 mai 2002. Voilà. Hein, pas de problème ? Oui, d'accord. Là, maintenant, il faut... Nous retrouvons Caroline Piel. Elle est accompagnée d'un architecte des monuments historiques et pour lui, le temps presse. L'ensemble des vitraux de la Sainte-Chapelle présente un caractère d'urgence alarmant parce qu'il y avait des panneaux qui menaçaient de s'effondrer. L'ensemble de la lancette était extrêmement déformé et on pouvait avoir vraiment des risques de casse, de voir les vitraux disparaître d'une manière définitive. Mauvaise surprise, certains panneaux sont recouverts d'une épaisse couche de vernis noirci. Résultat d'une précédente restauration mal vieillie. Le vernis noir, on voit très bien là. Et là, vous voyez bien qu'on ne voit pas du tout le dessin sous-jacent. Donc si on gratte ça, on gratte la peinture qui va avec. Quoi. Si on n'a plus le dessin du 13e, on n'a plus de vitraux du 13e, on n'a plus du verre de couleur. Seule solution, la caméra infrarouge, capable d'observer les dessins à travers le vernis noir. Oui, en fait, la partie qui était cachée, c'est la partie qui est un peu foncée sur la photo. Et donc, à l'infrarouge, on voit le trait, alors que sinon c'était toute cette partie-là qui était invisible. Grâce à cette radiographie, la restauration devient plus précise. Bien. Est-ce qu'on peut le mettre en lumière naturelle ? Premier verdict, l'équipe découvre un panneau tout juste nettoyé. Donc là, il faut déjà expliquer que sur ce panneau, en fait, la moitié droite a été nettoyée, la moitié gauche est laissée en état. Les colorations, ça marche bien, ça fonctionne. J'imagine que dans bas, on va avoir des couleurs qui vont vibrer avec la lumière. Ça va s'harmoniser. Non, mais c'est bien, ça va être très très bien. C'est très satisfaisant, vous allez voir. Maintenant, il reste combien de têtes ? Voilà, fait un, il y en a combien après ? Il reste une centaine de panneaux, 8 mois de travail, un budget de presque 100 000 euros. Retour au palais, cette fois dans la tour de l'horloge, la première horloge publique de Paris. Elle date du 14e siècle. Au sommet de cette tour, la cloche. Son accès difficile est interdit au public. Alors c'est le magistrat Étienne Ladrange qui nous mène à elle. C'est juste sur Paris. Hein. Bah, c'est la tour de la cloche, en 1848. Elle avait remplacé une cloche qu'on appelait la cloche d'argent. Et puis les révolutionnaires l'ont détruite parce qu'ils croyaient que c'était la cloche qui avait sonné la Saint-Barthélemy. Mais c'était faux, c'était pas cette cloche-là. Voilà, donc elle est classée monument historique. Je n'ai plus de vue sur les ponts de Paris.
salle de photographes passionnés, car Étienne Madrange a entrepris d'immortaliser le palais. Ses moindres recoins, ses coulisses, ses détails, déjà 20 000 clichés en boîte. Sa curiosité est insatiable. C'est curieux ce pomme de pain qu'on trouve partout dans le palais. Voilà, ah, elle est magnifique. Cette petite salle, baptisée la Reine Blanche, a une longue histoire. C'est un oratoire pour le roi Charles VI, dit-on. Charles le Fol, il venait là, et puis les chroniqueurs disent qu'il venait y réfugier sa mélancolie. Alors il regardait si, par les meurtrières, par les fenêtres, là, il regardait si le peuple de Paris venait pas envahir le palais. Ce qu'il a fait d'ailleurs, parfois, le peuple de Paris. Ce qui fait que le roi de France, il n'est pas toujours resté dans le palais, puis il est parti ailleurs, hein. Notamment au Louvre. De l'intime au grandiose. Voici la salle des pas perdus, la plus vaste du palais. Une salle à la mesure des festivités royales. Ah oui, royale, hein, puis fastueuse, somptueuse même. Hein. Bon, cette salle, c'était pas la même, elle était en bois dans les siècles passés, puis ensuite elle était en pierre, on l'a brûlée à plusieurs reprises. Il y a eu des banquets, des festins, imaginez François Ier. En 1540, il s'est réconcilié avec l'empereur, il reçoit Charles Quint, 1000 personnes, maintenant on dirait 1000 couverts. À l'époque, il n'y avait pas vraiment les couverts de maintenant, mais 1000 personnes dans cette salle, qui était la salle de l'époque, vous imaginez un petit peu. Difficile d'imaginer qu'autour de ces pylônes, des marchands de livres se sont ensuite installés. Des marchands si nombreux que le palais de justice devint la première librairie de Paris. Dans les galeries, 200 à 300 vendeurs tenaient même boutique de dentelles, bijoux, tableaux ou journaux. Tenez là, regardez, c'est le bureau d'écriture, c'était un écrivain public. Journaux au-dessus, c'est le tout dernier témoignage de la présence des marchands dans le palais de justice. Les marchands, les commerçants, toutes ces échoppes. Il y avait des libraires, des imprimeurs, donc des écrivains publics, des marchands de journaux, jusqu'à la moitié du 19e siècle. Mais le tout dernier témoignage, c'est ça. C'est du séance, c'est un bureau d'écriture. Les marchands ont disparu, les hommes de loi sont restés. Les surveillants de prison aussi. Nous sommes dans la souricière, sous le palais. Chaque jour, arrivent ici 80 détenus en provenance de toutes les plus grandes prisons parisiennes. Ils passent quelques heures dans ces petites cellules. Quelques heures d'attente avant de comparaître devant leur juge. Des galeries souterraines les mènent directement jusqu'aux tribunaux. Au bout de la souricière, une cellule pas comme les autres qui intrigue Étienne Madrange. Ah oui. Oh là là. Ça fait longtemps que j'ai occupé la cellule. Oui. Bon, il y a le mirage ici. Voilà, c'est rempli depuis des années. C'est quoi les années 1919, 1917, 1920. Dans cette cellule, le poète Guillaume Apollinaire aurait été emprisonné. Beaucoup de chapeaux, hein, parce que vous regardez sur tous ces dessins, on voit là, par exemple, voilà, casque à pointe, donc de toute façon, ça c'est pendant la guerre de 14. On voit des chapeaux de soldats, des casques, des casquettes, des képis. Ouais. Avec un. On dirait que c'est un trompette là. C'est un lieu historique, hein, donc il faudrait préserver ce lieu, quoi, pas la repeindre. Hein. C'est comme un patrimoine, vous voyez, 1920, 1930, ça va être aux 100 ans. C'est encore un lieu qui est bien conservé. Dans l'enceinte du palais, à l'abri des regards, une petite cour très privée. Seules quelques religieuses y ont accès. Ça, c'est le jardin de la communauté, le petit endroit où on peut se détendre l'été, prendre un petit peu l'air, prendre un peu le frais. Voilà. Et ça permet aussi à certaines sœurs qui aiment bien de jardiner, de s'occuper, de se détendre aussi dans le jardin. C'est nécessaire pour vous de respirer un peu ici ? Oui, on est toujours très enfermés, très à la lumière artificielle, donc je trouve que c'est vraiment important. Oui. Depuis 1865, les sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde vivent à l'intérieur du palais. Chapelle des sœurs.
Une mission religieuse doublée d'une mission de surveillance. Depuis 150 ans, avec l'accord de la préfecture de police, cette communauté travaille ici, au dépôt du palais de justice, quartier des femmes. Les sœurs veillent sur les détenus avec un soin particulier. Voilà le placard de réserve, des serviettes de toilette et draps que nous avons obtenu l'autorisation de leur donner pour améliorer leur confort. C'est important, elles prennent une douche, c'est pour ça? Elles prennent une douche en arrivant, oui, oui. Après 48 heures dans les commissariats, je crois que c'est nécessaire. Justement, deux mineurs viennent d'arriver en cellule. Sœur Kathleen, d'origine irlandaise, va les réconforter. J'ai une gaufrette. Ah, merci. Alors, attention, c'est très chaud, hein. D'accord. Les deux jeunes filles ont passé 24 heures au commissariat. En tout cas, c'était mieux dormir ici. Hein. Ouais, parce que là-bas, on ne peut pas dormir. C'est... Mais non, c'est pas prévu pour. Hein. Ouais, c'est une attente. C'est comme une salle d'attente. Mmh. Ouais. Ce qu'on a fait, c'était pas bien et qu'on regrette. Ouais. Derrière cette vitre, des femmes en situation irrégulière. Certaines passent ici leur dernière nuit en France avant d'être expulsées par avion. Et toi, ça va? Ça va pas, moi. Oh, ça va, ça va très mal. Ah, nous voilà bien. J'en ai marre de tout, moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrive le fait que j'ai un avion et puis voilà. Moi, je ne partirai pas. Comment tu sais que t'as un avion? Je le sais, c'est le juste qui me l'a dit aujourd'hui. Ah non, les juges. Non, attends. Il me l'a dit, ma soeur. Ça fait longtemps que je suis sur le territoire français et j'ai pas de papier. Je le sais, j'ai fait des conneries, j'ai payé. Mais maintenant, je suis droite. Oui, et puis là. Alors, si jamais. Qui m'aide un peu quand même, qui me donne une chance. Écoute-moi, si tu restes en France, tu fais faire des papiers. Il faut que tu sois en règle. À 50 ans, j'en peux plus. Non. 50 ans maintenant. J'en ne peux plus. C'est fini. Mon père, il a travaillé pendant 28 ans en France et je ne l'ai pas vu. Il m'a laissé à l'âge de 14 ans, mon père. Je me suis livrée à moi-même jusqu'à maintenant. Vous comprenez oui, ça? Je comprends. Mais j'arrive pas à mettre ça dans leur tête. C'est tout. Je ne peux pas. Ce soir, c'est la première fois qu'elle danse à sa collègue. Elle sort plein de choses que j'ignorais. Sans être un peu sensible sur les bords, j'ai vu que j'ai pleuré presque avec, mais par compassion, et non pas par faiblesse. Qu'est-ce que vous allez faire pour reprendre le dessus, là? Alors, à ce moment-là, il faut retourner maintenant, calmement, quand je vais essayer de m'asseoir avec à table et puis voir si ça se calme. Pour sœur Kathleen, comme pour les détenus, la nuit promet d'être longue. Nuit chagrine en cellule. Nuit tranquille dans les vastes couloirs du palais de justice. En somme, une nuit comme toutes les autres, dans ce palais où l'ombre a toujours côtoyé la lumière. Voilà, retour sur le plateau des Racines et des Ailes, installé cette semaine à la Conciergerie sur l'île de la Cité à Paris. Avec nous ce soir, Étienne Madrange. Bonsoir, on vous a vu dans ce reportage, vous êtes magistrat, vous êtes aussi passionné d'histoire et de bien d'autres choses. Mais bien sûr. Un mot avant de commencer de parler sur ce palais royal, un mot sur les religieuses que nous venons de voir dans ce reportage, et dont quelques-unes sont avec nous ce soir. Bonsoir. Oui. Elles font un travail formidable. Un travail fantastique, c'est leur vœu d'ailleurs. Elles sont là depuis dans certaines maisons d'arrêt, dans certaines prisons de France, encore 5 actuellement, dont le palais de justice, le dépôt de la préfecture de police. Quel est leur statut? Eh bien, ce sont des religieuses qui appartiennent à une congrégation et qui ont une mission de service public. Elles viennent en aide au service pénitentiaire et elles font un travail vraiment fantastique de présence, mais aussi un travail positif, je crois, au niveau des femmes détenues. Bah, souvent un effet extrêmement calmant, un effet très 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 positif sur les détenus. Puis alors, un dévouement inlassable, c'est assez fantastique comme travail. Alors, ce palais de justice était palais royal sous Philippe le Bel? Ah oui, et même avant, il est resté palais royal longtemps, mais les rois de France l'ont déserté peu à peu. C'est à partir de Jean le Bon et de Charles V que ça se complique. Quand Jean le Bon est en Angleterre, il est prisonnier, et le dauphin
futur Charles V est dans le palais de justice et il y a des meurtres abominables qui sont, on va pas rentrer dans les détails, mais deux meurtres abominables qui se passent sous ses yeux, ses principaux collaborateurs sont assassinés, et bien petit à petit il va déserter le palais vers l'hôtel Saint-Paul, puis ensuite le Louvre. Les rois y reviendront, mais plus pour régner, pour d'autres occasions. Mais l'administration restera ici. Oui, le roi laisse son administration, le Parlement de Paris restera au palais de justice, une prison restera au palais de justice. Charles V y désigne son concierge. Oui, alors, le rôle du concierge, et la définition du mot. Allez, ah ben c'est ancien, parce qu'il y avait déjà des concierges du temps du Capet. Et celui qui a les clés. C'est celui qui est chargé de la maintenance, de l'entretien de la maison. À l'origine, certains disent que c'était le comte des cierges, comme le connétable était le comte de l'étable, hein, si vous voulez. Donc chargé de l'éclairage, de la maintenance, de l'entretien. Et puis petit à petit, le concierge va devenir un personnage très important. C'est à lui, effectivement, que le roi confie les clés de la maison. Et alors, il est à la fois gardien de la maison, il est un petit peu policier, il est un petit peu juge, puisqu'il a le droit de faire la police et dans les affaires du palais. Et puis, il est un petit peu percepteur aussi, parce qu'il va mettre des redevances sur les boutiquiers. C'est un palais marchand, le palais. Il y a beaucoup de boutiques et des shops à l'époque. On y reviendra sans doute. Et donc, ce concierge est un personnage considérable, et c'est souvent un personnage très important. Alors, des fois, c'est un chirurgien, des fois, c'est un notaire, parfois, c'est un conseiller du roi. Ça a même été une reine de France, ça a été évoqué, je crois, dans votre reportage, Isabeau de Bavière, qui pendant plusieurs années, eh bien, accumulait un petit peu toutes les charges. Et pendant qu'elle était concierge ici, à partir de 1412, c'était au 15e siècle, a intrigué, elle s'est servie de cette charge pour intriguer. On sait ce que ça a donné, hein, puisqu'elle a bradé la France au roi d'Angleterre. Hein. Alors, je voudrais que vous nous commentiez quelques images, à commencer par celle-ci. C'est un fragment de table en marbre noir, c'est ça ? Oui, c'est du marbre noir, c'est un fragment. Quelle est l'histoire de cette table ? Oh, ben, c'est une table qui était arrivée en France en plusieurs morceaux, en 10 morceaux, dont 9 étaient mis ensemble. Ça faisait ce qu'on appelait à l'époque vraiment la plus belle table, dans la plus belle salle, qui était la grande salle du palais. Au-dessus de la nôtre ? Oui, juste au-dessus de la nôtre, hein, puisque Philippe le Bel avait transformé l'ancienne salle en deux salles, une basse et une haute. Et donc cette table est arrivée en 1312 d'Allemagne, en plusieurs morceaux de marbre noir. Et alors, c'est une table qui a eu une histoire fantastique, parce que d'une part, c'était une table autour de laquelle il y avait des tribunaux. On avait installé trois tribunaux, la connétablique, celui des affaires militaires, l'amirauté, les affaires maritimes, puis les eaux et forêts. Et puis même quand elle a été détruite, cette table, on a conservé leur nom. Mais c'est aussi une table de banquet. Donc quand le roi de France, on évoque François Ier... On enlevait les dossiers, puis on oui, restait voilà, en quelque sorte. Donc il va se marier, son bon mariage, il va marier sa fille au roi d'Écosse. Puis quand il s'est réconcilié avec Charles Quint en 1540, il l'invite pour un fantastique festin. Quand on reçoit les princesses, les fiancées des rois, les reines, tous les festins sont là. Quand on annonce un nouvel impôt ou qu'on supprime un impôt, l'aboyeur, en quelque sorte, de l'époque, monte sur la table et annonce au peuple parisien cette nouvelle. Il y a aussi des meurtres abominables sur cette table, et puis même des pièces de théâtre, parce que toutes les personnes qui travaillaient pour les avocats, les juges, les procureurs de l'époque, formaient une corporation. Et on a parlé de Victor Hugo tout à l'heure dans votre reportage précédent. Il en parle justement dans Notre-Dame de Paris, des mystères, du pape des fous, de toutes ces pièces de théâtre qu'on jouait sur cette table qui était bien rayée. Elle a disparu dans un incendie en 1618, entièrement broyée. Il ne nous reste que ce fragment. Ce palais a toujours été très fréquenté. C'est une ville dans la ville. Il y a une gravure qui illustre bien cette activité au XVIIe siècle. On la regarde. Ah oui, effectivement, on voit le palais dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, on voit la Sainte-Chapelle, on voit les galeries. Alors, c'est des maisons, c'est des boutiques, ce sont des hôtels particuliers. C'est beaucoup de chapelles, d'églises aussi. Il n'y a pas que la Sainte-Chapelle, il y a l'église Saint-Michel à l'époque. Des magasins également. Il y a énormément de magasins. C'est un palais marchand, un magasin qui était tenu par des femmes d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on y vend ? Ah, on y vend dans toutes ces échoppes beaucoup de choses. Ça va des chaussures, des jouets, des parfums, de la joaillerie, de l'orfèvrerie. Il y a beaucoup de libraires, on le sait qu'au XVIIe siècle, les principaux libraires, les principaux imprimeurs sont au palais de justice. Et les chroniqueurs nous disent que toutes ces boutiques étaient tenues par de fort jolies femmes. On a même un cardinal en 1616 dont on a le témoignage qui nous dit que devant toutes les cajoleries de ces jolies femmes, pour ne rien acheter au palais, il faut soit n'avoir point de sentiment, soit n'avoir point le sou. Alors côté Seine, il y a une des trois tours qui s'appelle la tour Bombec. Oui, d'où vient l'origine du nom ? Oui, la légende veut que le mot Bombec, on l'a appelé la tour, elle a eu différents noms au fil des siècles, et finalement la tour Bombec, avoir bon bec, c'était finir par avouer sous la torture. Donc cette tour a connu des atrocités, il faut bien le dire, ça a été un lieu d'abominable torture. La question, on faisait avaler de l'eau dans une corne de bœuf aux gens pour les faire avouer, ou bien on leur broyait les jambes avec des brodequins, parfois des supplices beaucoup plus atroces encore.
Et quand ils avouaient, ils avaient bonne bouche, ils avaient bon bec et tourbon bec. C'est la légende qui le dit. Peut-être ça a un fond de vérité. Alors on avance dans l'histoire, on arrive à la Révolution, les grands procès, celui de Marie-Antoinette. On s'arrête un instant sur ce procès. Marie-Antoinette, son mari a été décapité, a été guillotiné, on le sait, elle est au temple, on la sépare de son fils, et le 2 août, Fouquier-Tinville l'a fait venir au palais de justice, effectivement, où, fort heureusement, le concierge ne lui est pas trop antipathique au départ, donc elle ne va pas être détenue dans des conditions trop dures au départ. Assis en bleu, ce serait Fouquier-Tinville. C'est Fouquier-Tinville, l'accusateur public, oui, qui a été tout à fait ignoble dans ce procès, on le sait, puisqu'il a notamment, lui et d'autres accusés ou laissé entendre que... Marie-Antoinette, elle porte une robe blanche et l'histoire dit qu'elle était noire, non ? Avec un fichu blanc, mais ça, bon, ce sont des gravures d'époque. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a accusé d'inceste avec son fils. Et ce geste que vous voyez dans la gravure, c'est « j'en appelle à toutes les mères de France ». Elle était complètement effondrée par cette accusation. Et la chronique dit que ça a ému jusqu'aux tricoteuses. Elle a été bien traitée pendant son séjour ici ? Alors, elle a été bien traitée au départ. Il y a eu des complots, le hier, enfin quelques complots qui tendaient à la faire évader. Donc après, on l'a mis sous surveillance constante. Vous savez, c'était une femme jeune, elle n'avait pas 40 ans. Et elle était comme sous surveillance de deux gardes, qui fumait, qui ne respectait pas son intimité. Non, je pense que ça a été pour elle une détention assez dure et assez difficile. Louis XVI est venu ici ? En tant que roi, bien sûr, il est venu avant mais la Révolution. Mais il n'est jamais passé par la conciergerie. Mais il n'avait pas été jugé au palais de justice et le tribunal révolutionnaire ne s'est mis en place qu'après, courant 1793. Alors il y a un épisode étonnant, c'est le banquet des Girondins. Il faut raconter cette histoire. Encore un petit peu après, c'est octobre 1793. Les Girondins, c'était des députés, c'était des libéraux. Ils avaient eu sans doute le tort pour ce moment et sous la terreur d'avoir été un peu cléments vis-à-vis du roi. Et puis ils étaient, c'est vrai, ils se sont opposés à d'autres, aux montagnards. Et donc un jour, la sentence est tombée, il a fallu qu'ils y passent aussi devant le tribunal révolutionnaire. Alors en plus, il n'y avait pas de demi-mesure à l'époque, c'était ou la mort ou l'acquittement. Il n'y avait pas 10 ans de prison ou les galères ou que sais-je, ou la réclusion criminelle. C'était ou l'acquittement ou la mort. Alors Marat, lui, il avait été acquitté, porté en triomphe juste au-dessus de notre tête, sur une table, par une foule en délire, dans la grande salle de ce palais de justice. Mais les Girondins, eux, ont été très rapidement condamnés à mort et ils ont été exécutés. On vous voit dans ce reportage prendre énormément de photos. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces photos ? Il y a beaucoup de milliers. Vous en avez combien d'abord ? Oui, 15, 20 000, j'en fais 30 000. Après, je m'arrêterai sans doute. Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Une grande exposition, un livre ? Oui, peut-être. En tout cas, j'en mets. Également, non, mais surtout dans un souci de préservation du patrimoine national. Je remettrai sans doute ça aux archives nationales ou aux autorités de la culture. Bien, merci en tout cas. Je rappelle que nous sommes au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, tout autour de nous, la Seine qui a vu, elle aussi, passer beaucoup d'événements. L'histoire de ce fleuve est étroitement liée à celle de Paris. De nombreux monuments de la capitale en ont épousé les méandres et des monuments qui gardent encore trace de nombreuses crues de ce fleuve. C'est le cas ici même, dans cette pièce. Je crois que près de sur ce pilier, il y a une trace, la voici. Ah oui, chaque siècle d'ailleurs a connu des grandes crues, et il a fallu déménager des archives, des tombes parfois. Et là, en 1910, la crue de la Seine effectivement envahit cette magnifique salle médiévale, mais aussi la Sainte-Chapelle. Toute la chapelle basse de la Sainte-Chapelle était sous l'eau. Mais le palais de justice et le palais de la Cité, c'est le palais de tous les excès, de tous les records. Alors aujourd'hui, rien de plus magique que de découvrir Paris et ses monuments depuis la Seine, depuis ces quais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, des racines et des ailes a suivi pendant plusieurs semaines. Vous allez voir les anges gardiens de la Seine, ce sont les policiers de la brigade fluviale. Chaque année, ils sauvent une centaine de personnes et nous avons suivi Nathalie et ses collègues. Ils nous font partager leur passion et nous font découvrir autrement ce fleuve. Regardez, voici les anges gardiens de la Seine. C'est un sujet de Morad Aïtabouche, Christian Decarnet, Robert Poli et Olivier Bonnet. Après un tel appel d'urgence, pas une minute à perdre pour les hommes de la brigade fluviale.
70 km/h alors que la vitesse est limitée à 12. Ce jour-là, l'équipe du commandant d'Europe est arrivée juste à temps. Là, il y a le soleil qui va arriver. Pour un simple chagrin d'amour, ces jeunes filles de 17 ans ont voulu mettre un terme à leur vie. Les jours d'équinoxe, les tentatives de suicide sont plus nombreuses. Une centaine en moyenne chaque année. À chaque fois, il faut agir vite. Là, heureusement, il ne s'agit pas d'un suicide, juste d'un exercice. Nathalie est policier. Ah, elle est bonne, hein ? Un peu froid, mais ça va. Ancienne athlète de haut niveau, elle s'entraîne régulièrement dans la Seine. Comme ses collègues, elle doit toujours être prête à intervenir dans n'importe quelle condition. Ben, un saut de fond, au cas où on aurait à aller protéger une personne qui viendrait se jeter à l'eau. On est de passage sur un pont. Alors, il y a une technique un peu particulière. Il faut éviter d'être déséquilibré dans le saut, de rester bien droite, coller ses bras, pour éviter de se faire mal à l'arrivée. À cette vitesse, impossible d'apprécier le décor. Les quais de Seine sont pourtant classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nathalie et son coéquipier restent concentrés. Au programme du jour, 4 ou 5 km à la nage et une plongée en bouteille. Une plongée en eau trouble. Non, moi c'est la Seine. Mais là on voit rien. C'est la Seine en hiver, avec une visibilité quasi nulle, et un fond béton, barre de fer, etc. Il n'y a pas de corail. Ah non, c'est sûr que tu vas pas pour le paysage, pour la faune et la flore, hein, non, c'est clair. Oui, le bâtiment montant passerelle des arts de la brigade fluviale. Oui, je l'écoute, monsieur, c'est Cristal 2. Et le Cristal 2, nous sommes en face de vous, hein. J'ai un plongeur juste dans le prolongement du bateau, hein. Donc si vous pouvez réduire, c'est un concert, monsieur. Pas de problème, monsieur, j'ai réduit. La Seine a parfois des allures de route nationale, de décharge également. Voilà le corail. Il y a du courant, hein. Ouais. Ah oui, il y a du jus. Et ça vous arrive de trouver autre chose, des armes par exemple? Oui, ça nous arrive. Bah, vous êtes intéressé? Alors, vas-y. Bah, disons qu'on ça nous arrive de trouver des couteaux. Des armes blanches ou des armes de gros calibre qui auraient servi à des meurtres ou à des hold-up. Insouciants, ces touristes n'imaginent pas un seul instant ce monde à part. Bon, je vais redescendre un petit peu, j'attends. D'accord. Ouais, plus rien. Sur le fleuve, on ne croise pas seulement des bateaux-bus. Des autocars comme celui-ci tombé dans la Seine dans les années 70. Des carcasses de voitures, des camions, on trouve de tout. Parfois même, des frigidaires, un parcours d'obstacles. Carnet de vaccination à jour, Nathalie peut cumuler les kilomètres. Officiellement, il est interdit de nager dans la Seine. Les policiers de la fluviale et les pompiers sont les seuls autorisés à le faire. Nous sommes dans le bureau du lieutenant Constant. Déjà 4 ans de fluviale et une nouvelle promotion. Depuis une semaine, il est capitaine. Un bonheur pour ce policier qui, chaque jour, mesure la chance qu'il a de travailler dans cet environnement. Un environnement chargé d'histoire. Major Alain Decaute Beaucoup, historien de la brigade fluviale. Il y a beaucoup comme ça des historiens. C'est un mascotte. Ah non, c'est seul, c'est le historien. Chacun sa spécialité. Voilà. Il y a l'historien, il y a d'autres. Chacun son tour. Le cuisinier. Chacun son tour. Oui, attention là. C'est notre Bible. La Bible. Aussi le Paris, donc. Et la spécialité du Major Philippe, ce n'est pas le biniou, mais l'histoire de la Seine et de ses ponts. De la royauté à la République, au fil de l'eau.
du pont Royal inauguré par Louis XIV jusqu'au pont Charles de Gaulle. Ce jour-là, pas d'appel d'urgence. La patrouille se transforme en visite guidée. Un lieu incontournable pour ces policiers, le 36 quai des Orfèvres. Tous les grands voyous sont passés par là. Je pense qu'on peut dire les grands voyous et les assassins les plus terrifiants sont passés par le quai des Orfèvres. Ça fait, hein. Georges, le meilleur policier aussi. Georges est passé par là, l'affaire Mesrine, bon, il n'est pas passé par là vraiment, puisque ça s'est passé pour de Billancourt, mais c'est l'anti-gang qui a traité et qui est basé ici. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme dans les années avant, il y a toutes les René Lacan, des choses comme ça. Pierrot le Fou, c'était traité par la PJ parisienne, hein, des grandes époques, et ça continue toujours. Pour un policier, la consécration, c'est le 36 quai des Orfèvres, et la cerise sur le gâteau, c'est la brigade fiscale. La police n'est pas la seule à veiller sur la capitale. Sainte-Geneviève est la patronne de Paris. L'histoire dit qu'elle a sauvé Paris de l'invasion des Huns qui ont été détournés sur Orléans. Et elle fut canonisée pour ça. Sa statue est là, elle a été sculptée par Landowski. En fait, Landowski, c'est le sculpteur qui a fait le Christ Rédempteur sur le pain de sucre dans la baie de Rio. Japon, c'est quoi ? Mirabeau, phrase célèbre, il avait dit « Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. » Et les divinités qui sont sur le pont Mirabeau, c'est qui ? Capitaine ? Ah, je ne sais pas. Je pense qu'il pourrait s'agir d'allégorie du fleuve. La Seine charrie des milliers d'histoires. Vraie ou fausse, légende ou réalité, le major Philippe ne fait pas le tri. Pour lui, ces anecdotes font toute la grande histoire de France. Là, la statue du quartier est tournée vers l'ouest, elle a toujours été ? Non, en fait, elle était tournée vers l'est au moment de son inauguration en 1889 par le président Carnot, qui lui n'avait pas prévu à l'époque de l'inaugurer depuis la Seine. Donc il faudra attendre 1937 pour qu'elle reprenne sa position initiale en toute logique, c'est-à-dire tourner vers l'ouest, vers les États-Unis. Bartholdi, quand il a fait sa statue, il avait fait une phrase qui était en fait la phrase type pour les conquérants de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il avait dit « Vieux monde, donne-moi tes pauvres, tes épuisés, tes prisonniers, je leur donnerai à respirer l'air de la liberté ». C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était le début de la conquête de l'Ouest en quelque sorte. Capitaine ? Ah bah, qu'est-ce que je rajoute à mon historien ? Non, c'est vrai que la Seine hein, est remplie d'histoire, donc bah, on en profite tous les jours, nous, hein, gratuitement et pour le travail. Enfin, de temps en temps, à la vitesse où on va et en fonction des interventions qu'on fait, on n'a plus trop de temps de s'en préoccuper, mais sur certaines rondes, surtout l'été, c'est vrai que c'est très agréable. Hein. Voilà. Ouais. Une nouvelle alerte. Nous sommes avec une autre équipe de la Fluviale. Un jeune homme s'est jeté dans la Seine, l'eau est glacée. Quelques minutes de plus, et il était trop tard. Pour l'équipe, il s'agit là du deuxième sauvetage en moins de 3 jours. La loi des séries. À chaque fois, les pompiers prennent le relais. Sur le fleuve, pompiers et policiers travaillent main dans la main. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en avais marre de la vie ? Ouais, je voulais me noyer. Ce jeune homme sera admis dans un hôpital psychiatrique pour plusieurs jours. Ça arrive beaucoup trop souvent. Là, on a de la chance qu'on est passé au bon moment. Mais au bout de quelques minutes, bah, il était au fond. Et vu la température de l'eau à 5 degrés, plus apparemment, il n'est pas très très athlétique, donc il n'aurait pas tenu beaucoup beaucoup de temps sur place. Une nouvelle nuit de pleine lune.
La brigade fluviale reste en veille, on ne sait jamais. Nathalie assure la permanence. La magie de Paris sur une dizaine de kilomètres, une atmosphère différente, des jeux de lumière, des ambiances, une mise en scène des quais. Nathalie apprécie. Lorsqu'elle a débuté, elle se rappelle de moments plus pénibles dans un commissariat de banlieue. Toujours, déjà, c'est un monde à part, c'est ce qu'il y a dit. Alors, nous, en tant que policiers, par rapport à ceux qui sont dans les banlieues, je pense qu'il y a un fossé énorme. Des problèmes personnels, c'est clair quand on est dans un service, comme on dit, un service difficile, je pense que ça ne doit pas aider. C'est sûr que effectivement, le taux de suicide doit être plus élevé. Mais à la brigade fluviale, bon, non, c'est pas. Donc le travail ne va pas nous pousser à nous suicider. Au contraire, on va plutôt venir ici, zen, ça va nous apaiser si par hasard ou par malheur on a des problèmes personnels à la maison, on va venir ici, ça va vraiment être une soupape de sécurité. La brigade fluviale est composée de 56 personnes. Avec Nathalie, une seule autre femme partage ce quotidien. Avant 1998, la brigade ne se déclinait pas au féminin. On travaille aussi bien que nous, donc il n'y a pas de raison de faire de différenciation particulière, de l'aménager dans un domaine ou dans un autre. Elle fait tout pareil que nous, donc si c'est un truc dur, on ne va pas lui dire « bah non, laisse, attends, je vais le faire ». Non, elle le fait. Hein. En plus, elle nous discuterait si on se faisait sa place, donc on n'a pas intérêt à le faire. Hein. Sont pas assez sportifs, joue pour elle en fait, elle est volontaire, les missions lui font pas peur, elle est prête à se lancer dans des trucs qui peuvent paraître durs, et donc il n'y a pas de problème. Ça donne quoi? Je dirais pas jusque là. Il y a la voix qui change. Dans un service, quand il peut y avoir comme ça une mixité, tout le monde y trouve son compte. Nous, en tant que femme, on aime bien aussi travailler avec des hommes. Chaque femme a un côté masculin en elle, chaque homme a un côté féminin, donc je trouve qu'on se complète. La nuit est calme. Retour au port, Nathalie va en profiter. Une heure de musculation, un rythme quotidien. On essaie de s'astreindre un petit peu à ça quand même. Mais moi, je n'aime pas ça du tout, je me force. C'est pour être bien pour les interventions, c'est pour soigner notre condition physique. Quoi. C'est... Et puis bon, moi, je sens que je n'ai pas une musculature énorme, donc je sens que j'ai besoin. J'ai besoin un peu de ça. Sur le livre de bord, cette nuit-là, rien à signaler. Un rare moment de tranquillité et d'intimité. Dans quelques semaines, Nathalie passe un examen pour monter en grade. À 3h45. Des révisions s'imposent. Elle veut devenir brigadier. Côté femme, c'est chez vous. Voilà, c'est côté femme, hein. C'est pas très coquin, mais bon. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Là, ne laissez pas un homme faire le travail d'une femme. C'est quoi le travail d'une femme ici? Le travail d'un homme. Donc moi je vais mettre, ne laissez pas une femme faire le travail d'un homme. Vous allez dormir où là? Donc, moi voilà, je m'installe ici. Voilà, dans mon vieux lit de camp pourri, qui me dépanne bien. Hop, c'est rapide hein. Voilà. Demain. À tout à l'heure. La brigade fluviale est opérationnelle 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, une vie de caserne. Ici, on alterne 2 jours de travail, 2 jours de repos. Ça avance ? Non, personne m'aide, je suis tout seul aujourd'hui. Il m'a dit non, moi je cuisine. Si, des pâtes. Non, aussi pour dépanner, des pâtes. Des pâtes. Comment moi, c'est spécialiste des pâtes. Des nouilles, triathlète, donc des pâtes, ah, ou des pâtes. Ou des pâtes. Voir des pâtes. Sauce tomate. Ah, quand c'est dimanche. Bon. Le plus souvent, les repas sont pris en commun. Les radios sur la table, on ne sait jamais. La frégate de TMS.
Si vous voulez venir à 11h, vous avez créé une chute. Oui, la PG de Boulogne est avisée. Hein. Donc, un véhicule du commissariat se rend sur place et la PG ultérieurement. Qu'est-ce qui s'est passé? Un cadavre sur la commune de Boulogne. Faut qu'ils fassent attention, faut les prévenir aussi. Hein. Là, vous êtes rapprochés. À Boulogne, l'entraînement des rameurs est interrompu. Deux plongeurs de la brigade fluviale sont sur place. Un périmètre de sécurité a immédiatement été installé. C'est-à-dire que nous on rame et de temps en temps on voit des bouts de bois, on ne sait pas si c'est... Et donc là, on s'est aperçu que c'était un cadavre. C'est comme avant, hein. Enfin, on n'est pas habitué à ça. Hein. La dernière fois c'était une femme et elle était là depuis longtemps. Non, c'est vrai que c'est un petit peu traumatisant, je ne le cache pas. Selon les premières estimations, le corps était dans l'eau depuis au moins 2 semaines. Je sais que ça fait partie de notre boulot, donc ça ne me dérange pas. À partir du moment où ça le met dans la tête, c'est bon. Même si ça arrive souvent de retrouver des cadavres. C'est souvent dans les conditions. Par exemple, si c'est une personne qui vient de se noyer, quand la famille est là, là c'est dur. Suicide ou meurtre, l'enquête commence. Elle est confiée à la police judiciaire de Boulogne. Une autopsie sera pratiquée. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident en scène, c'est pas toujours très gai. Et les hommes ont tendance à se blinder, nous aussi on essaie de se blinder, mais malgré tout, on peut pas arriver sur une personne qui a tenté de se suicider, on va essayer de la réconforter. Alors peut-être que cette personne va se sentir plus à l'aise avec une femme, parce qu'une femme, on va plus montrer peut-être notre sensibilité, notre côté un peu plus fragile. Pour nous, c'est pas une faiblesse. Pour un homme, c'est une faiblesse. Donc il va vouloir paraître plus dur, enfin moi je sais pas. Nathalie est devenue gardien de la paix il y a 13 ans. Malgré des interventions délicates, elle ne regrette pas son choix. Son mari est également policier, ils ont un enfant. Comme Zidane, c'est la marge. Ah, c'est vrai qu'elle fait quand même des choses, moi je le ferais pas. Beaucoup d'hommes qui le feraient pas. Tu peux plonger l'hiver dans la Seine. J'ai une toute petite expérience du boulot classique de policier en arrondissement. Et c'est vrai qu'on n'est pas aussi bien vu qu'à la brigade fluviale. Mais c'est vrai que quand tu passes sous un pont, il y a des gens qui te font coucou. En général, on ne voit pas ça pour un flic normal. Les gens nous font rarement coucou. Faut avouer donc. À avec un pudeur, c'est comme elle, tourniez même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de dormir ici, car au gorille, patron de la ménagerie. Angoissée, Nathalie passe aujourd'hui un examen blanc. Dans un mois, si elle réussit les épreuves, elle pourra devenir brigadier. Et ça, c'est la côte d'eau officielle dans laquelle on mesure la hauteur d'eau de la Seine. Il y a 20 ans, on était à 6 mètres au niveau de la fin de l'échelle. Et, mais il y a eu plus, hein, en 1910, la Seine est montée à 8,62 mètres, c'est-à-dire 2 mètres au-dessus de la fin de l'échelle, à peu près au niveau de la pancarte. Donc, tout le quai devait être inondé. Hein, ou à partir de 6 mètres, nos installations sont inondées. Et là, il y a des risques, là ? Actuellement, ben, on est dans une situation où les nappes phréatiques sont au maximum, les sols sont gorgés d'eau, donc c'est vrai que s'il y a beaucoup de précipitations, eh ben, il se peut que l'eau puisse monter rapidement. Situation de crise, depuis plusieurs semaines, le capitaine Constant et ses hommes gardent un œil sur cette échelle. Ils le savent, la scène reste imprévisible. Voilà. L'histoire le prouve. Ben, c'est un taclasseur qui a confectionné donc mon major, hein, où... férus d'histoire et de la Seine et de Paris. Donc il nous a confectionné un petit classeur où on voit des vues de 1910. Et ben, on voit tous ces quartiers de Paris qui étaient inondés et où on se débrouillait avec les moyens de l'époque. Hein. Là, c'est les rues de Paris, la Seine. C'est les rues de Paris, dans le faubourg Saint-Antoine, hein, qui était complètement inondé et c'est monté. Donc la partie dont je parle le plus souvent, c'est la gare Saint-Lazare, hein, qui a été inondée complètement.
C'est suite à des pluies incessantes pendant une quinzaine de jours, hein, toute une situation, tous de petits paramètres qui, additionnés les uns aux autres, ont créé cette situation de crise. Hein. Et donc en ce moment, ben, on étudie nous-mêmes, la direction de l'environnement, le service d'administration de la Seine, tous les paramètres pour voir ce qui pourrait se passer et prendre les précautions. Hein. Printemps 2001, la dernière crue répertoriée, les derniers soubresauts du fleuve. Les eaux sont montées jusqu'à 5 mètres. La cote d'alerte est dépassée. Sur le fleuve, la navigation est interdite, excepté pour les policiers de la fluviale. En période de crue, ils sont régulièrement sollicités. Petits ou grands secours, comme les pompiers, ils interviennent à la demande. Ouais, ce sera mieux, ouais. Vous avez un problème ? Oui. En sortant sur Fontainebleau, elle a un rendez-vous sur la passerelle, j'ai vu qu'elle était pas bien fixée. On va jeter un coup d'œil. Ouais. Solidarité des gens de mer, ces policiers n'hésitent pas à donner un coup de main. Dans ces situations-là, c'est eux les mieux équipés et puis les plus à même d'intervenir. Donc je ne me pose pas vraiment la question parce qu'ils m'ont déjà dit qu'il vaut mieux nous appeler avant qu'il y ait un problème plutôt qu'une fois qu'il y a un drame. Non, non, c'est à moi. Au secours ! Ça ne répond pas ! Au secours ! Ah oui, oui, c'est vrai. Ça marche ? Ça va ? C'est pas trop inondé ? La Seine est un village avec ses bateaux-logements et ses personnages parfois insolites. Regardez, vous là. Les pompes, hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a encore la lumière? Oui, les pompes tournent. Hein. Le commandant d'Europe est policier depuis près de 30 ans. Il n'imaginait pas découvrir un tel spectacle ici, sous le pont Alexandre III. Non, mais vas-y. Un monde à part. Patrick Bruni est cinéaste. Ses installations ont souffert. Ah merde, allez, ça disjoncte, hein. Voilà, c'est bon. C'est bon. J'essaie le son, hein. Depuis 2 ans, il réalise là la maquette de son prochain film. Cette fois-ci, l'eau était montée jusqu'à 1 mètre. Électronique, hein ? Humidité. Oh, quelle chance, c'est incroyable. C'est un créateur qui est à côté de ses pompes, hein. Je pensais que c'était ça, on découvre. Hein, c'est assez incroyable de tomber. C'est vrai que ça m'a en œil chaud. Hein. Ah, ouais. Vous savez qu'il y a une arrière qui est là, la boue, tout a été détruit, il y a 5 mouvements là-dedans. Ah, c'est pas là, la tournée continue. Le lendemain, à l'aube, les voies sur berge sont rendues à la circulation routière, un balai aquatique. Les prévisions les plus pessimistes parlent d'une nouvelle crue. Elle pourrait être aussi spectaculaire que celle de 1910. Peut-être plus dramatique. Cette crue de 1910 reste une référence. Un cauchemar. Ouais, c'est bon. Sur les quais, ces empreintes sont omniprésentes. À notre gauche, c'est la marque de la crue de 1910. Quand on voit que la pas, elle n'est pas montée au-dessus des quais. Hein. Voilà. Et là, donc l'île de la cité, en fait, n'a pas été envahie par la crue de 1910. Enfin, c'est quand même monté bien haut. Hein.
Difficile à imaginer, mais la plus belle avenue du monde, après les Champs-Élysées, a connu d'autres aléas. Et la Seine a déjà été prise par les glaces. Moins fréquemment qu'à Saint-Pétersbourg, mais ça arrive quand même. C'est extrêmement rare. Il y a eu la prise de la Seine hein, par les glaces. Et les canaux, par contre, dans les années 80, là, pendant les fortes périodes de grand froid, les années 85-86, les canaux ont gelé. Hein, une partie des canaux ont gelé. La fluviale est allée casser la glace. Vous connaissez la principale cause d'effondrement des ponts de Paris, les pèlerinages. Parce qu'un rassemblement, un grand rassemblement de gens marchant au pas sur un pont, ça faisait rentrer le pont en résonance et il s'écroulait. C'est pour ça que les militaires rompent la cadence quand ils passent sur un pont. C'est interdit de marcher au pas sur un pont, voilà. Non, faut pas la montrer. Hein. Bon, en fait, notre mascotte, Nemo, capitaine Nemo. Nemo, la mascotte n'a rien d'un Saint-Bernard. Un brave chien. Pourtant, à sa création, la brigade s'était dotée de chiens sauveteurs. Une idée du préfet Lépine, l'homme qui a inventé cette brigade. 1904, c'est un brigadier en 1904 avec son chien. Tiens, regarde. Voilà. Avec l'écriture de l'époque. Mais je peux vous dire derrière ce qu'il y a de marqué. Voilà. Et là, ben le premier chien de la fluviale, Argos, il s'appelait. C'est les premiers chiens qu'on a eus, enfin qu'ils ont essayé, ils ont fait des essais pour sauver des gens. Ça n'a pas marché. Mais bon, la mascotte est restée. C'est un peu le top modèle de la brigade, non ? Qui ? Vous ? Top modèle, non ? Vous voyez, il y a l'historien, il y a le top modèle, il y a c'est tout. Ken. C'est Ken. Ah, c'est Ken, le mari de Barbie. Ah, dans l'album photo qui est avec les tenues. Un album des projets de tenues qu'on envisage à la brigade fluviale, avec notre mannequin à fétiche, le major Ken. Voilà. Donc ça c'est un projet qui est soumis à notre hiérarchie pour approbation avec des tenues adaptées aux conditions de travail. Donc, la tenue classique du policier, blouson, pantalon, tergal est pas tellement adéquate. La semaine est particulièrement chargée. Une nouvelle intervention au programme, l'information est vague, un homme serait tombé à l'eau. Personne à l'eau. Et avez-vous des précisions autres sur l'appel ? L'appel de détresse manque de précision, cela arrive trop souvent. En contact permanent avec leur base, ils vont finalement trouver. Oh. Oh. C'est fini ? Hein ? Heureusement, leurs homologues, les pompiers de l'île de la Cité, sont intervenus à temps. C'est deux fois plus de chances pour une victime d'être sauvée. Apparemment, les pompiers ont été appelés un tout petit peu avant nous. C'est une personne d'origine étrangère qui aurait un petit peu bu et elle a trébuché sur le quai et elle est tombée à l'eau. L'année dernière, 88 personnes ont été sauvées de la noyade. Près de 50 corps ont été retrouvés, une moyenne là aussi. Un nouveau fait divers, un de plus, noté dans le livre de bord de la fluviale. De jour comme de nuit, la Seine continue à faire parler d'elle. Avec ses mystères, ses ombres et ses lumières. Un livre ouvert sur 2000 ans d'histoire de France. La brigade veille, prête à noircir une nouvelle page de son journal.
Voilà, bonne chance à Nathalie pour son concours et merci aux hommes de la brigade fluviale de nous avoir permis de les suivre. Merci messieurs. Étienne Madrange, si cette scène pouvait témoigner à la barre de ce palais de justice, elle pourrait en raconter. Hein. Elle pourrait en raconter. Je crois que c'est le fleuve des invasions, c'est le fleuve nourricier qui a permis le développement de cette ville de Paris qui est l'une des plus belles. C'est la rivière de toutes les inspirations, de toutes les passions. Et puis sur les rives de laquelle les artistes ont fait leurs plus belles réalisations. Je crois que c'est un fleuve qui a parfois poussé l'esprit créatif de l'homme à son paroxysme. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. N'hésitez pas à venir visiter les magnifiques salles médiévales de la Conciergerie et la Sainte-Chapelle, témoin de la première résidence des rois de France. Un grand merci à toute l'équipe de la Conciergerie qui nous a aidés à préparer cette émission. Une pensée toute particulière, bien sûr, pour Christian Guébélil. Merci au Centre des Monuments Nationaux de nous avoir ouvert leurs portes. Vous retrouverez toutes les informations concernant les sujets traités ce soir sur Internet et sur le Minitel de France 3. L'émission a été réalisée par Jean-Luc Orabona grâce aux moyens techniques de France 3 Productions Ouest et avec Patrick Charles, Isabelle Richard ainsi que toute l'équipe technique et rédactionnelle du magazine. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 27 mars pour une grande émission réalisée en association avec l'UNICEF sur l'exploitation sexuelle des enfants à travers le monde. Bonne fin de soirée à vous tous sur France 3 bien sûr. Au revoir.